Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa grâce, ses faveurs, ses privilèges qu'il a fait montre à l'égard de chacun de nous. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce. Nous sommes ce que nous sommes parce que le Seigneur nous a gratuitement sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos prouesses, ce n'est pas par nos qualifications, nos titres, nos relations. Le Seigneur nous a gratuitement, au moyen de la foi, par la grâce sauvée. Quelle grâce, quelle grâce. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils, quelle grâce! Dieu a donné son Fils, quelle grâce! Dieu a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Dieu a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Dieu a donné son Fils, il est mort sur la croix. Quelle grâce, il est ressuscité. Il revient bientôt. Quelle grâce, quelle grâce. Dieu a donné son Fils. Quelle grâce, quelle grâce. Dieu a donné son Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Paul dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. En moi, c'est Jésus qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est une grâce. Et comme nous avons eu Christ, ce n'est plus nous qui vivons. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. Tu es assis, c'est Christ qui est en toi. C'est Jésus-Christ qui est en toi. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie des anciens de l'Église, pour la vie des diacres, pour la vie des responsables de toute l'assemblée. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce que Il a veillé sur chacun de nous. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé et nous pouvons vaquer à nos occupations tranquillement parce que c'était pas évident. C'est pas évident parce que y a rien de sûr qui n'est pas sûr si ce n'est par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant que nous ne lisons la parole de Dieu, je vais vous donner le thème du message qui peut-être va vous choquer, mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. Faut dire à ton voisin, tue-le, sinon il va te tuer. Alléluia. Dévoue-le par interdit, sinon il va te tuer.
Vous ne voulez pas dire ça à votre voisin, non? Il faut que tu le détruises. Si tu ne le détruis pas, il te détruira. Il ne faut pas t'amuser, hein? Soit c'est lui, soit c'est toi. La vie à un moment donné, le combat à un moment donné, si tu ne te mets pas au sérieux pour tuer, on te tuera. Si tu ne te mets pas au sérieux pour détruire, on te détruira. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire de le tuer, sinon il va vous tuer. De le détruire, sinon il va te détruire. Tout ce que le Seigneur a dévoué par interdit afin que tu détruis sans exception, il faut détruire, il faut tuer, il faut massacrer, il faut être sans pitié. Sinon, il va te détruire. Et si tu refuses aussi de détruire ce que l'Éternel a dévoué par interdit, l'Éternel même ne sera plus avec toi. Je vous préviens. C'est dans sa parole, nous allons lire. Tout ce que je vous suis en train de vous dire, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur vous dit, il faut détruire, détruisez. Ce que le Seigneur vous dit, il faut tuer, il faut tuer. Quand vous lisez bien Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, il a envoyé des gens. Dans où? Pour détruire dans la maison de l'Éternel. Il dit, commencez par mon sanctuaire. Commencez par ma maison. Soyez sans pitié, n'épargnez femme, homme, enfant, détruisez tout. Je ferai un monde nouveau. Et je vais tout recommencer. Nous sommes dans la parole de Dieu, Josué, chapitre 7, à partir du verset 12. Josué, chapitre 7, verset 12. Rapidement, lisez la parole de Dieu si vous avez trouvé. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Relisez. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Je ne serai plus avec vous. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Je ne serai plus avec vous. Ça veut dire, je vais vous quitter. Le Ikabod, je vais vous quitter. Ma gloire va vous quitter. Je vais depart from you. Si vous ne détruisez pas ce qui a été dévoué par interdit au milieu de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode 22. Verset 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. D'autres versions, c'est dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. D'autres versions, quand vous lisez, c'est clairement dit, vous devriez détruire. Pharaon doit être détruit. Si tu veux réellement une délivrance complète de ton Égypte, il faut forcément que Pharaon meure dans la mer Rouge avec son armée, afin que tu puisses être tranquille pour avancer. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis au milieu de ton peuple. Tu m'as envoyé depuis le sein maternel pour cette mission. Et tu sais très bien que je ne peux pas l'atteindre ni accomplir cette mission si tu n'es avec moi. C'est une œuvre que tu as préparée d'avance pour moi afin que je puisse la pratiquer. Et je m'y évertue. Sans ton esprit, Moïse a dit qu'il n'ira pas. Sans ton aide, Moïse a dit qu'il ne peut pas. Oui, ce soir, je te prie et je te demande que tu m'accompagnes. Je te demande que ton esprit soit au devant de moi. Je te demande que ton esprit me remplisse. Je demande, Seigneur, Père éternel, que tu me fasses grâce et que ce soir, ta parole soit exprimée. Que ton esprit se manifeste. Que ton esprit prenne la possession de ces moments.
Seigneur, moment où nous devrons recevoir de toi ta parole, je te prie de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir en acclamant par la parole de Dieu, acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez très bien que quand le Seigneur a parlé à Abraham, je vais vous donner la terre promise. Ensuite à Moïse, je vais vous donner Cana. Et ensuite, pour conquérir Cana, le Seigneur a donné les territoires et les contours, ce qu'ils doivent posséder, ce qu'ils doivent conquérir, ce qu'ils doivent combattre et pouvoir prendre en possession. Le Seigneur les a donné les instructions. Et Josué, il s'est mis à exécuter. Josué s'est mis à conquérir. Josué s'est mis à renverser. Nous sommes dans Josué 12, encore à partir du verset 7. Lisez rapidement. Et nous allons voir, depuis la mort de Moïse, jusqu'à ce que Josué conquiert combien de rois, combien de villes, combien de nations que Josué a conquéri. Alléluia. Lisez à partir du verset 7, rapidement jusqu'au verset 24. C'est une longue lecture. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue, qui s'élève vers Seir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Hétiens, des Amoriens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1, le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1, le roi de Lachish, 1. Jarmuth. Le roi d'Eglon, 1, le roi de Gezer, 1. Le roi de Débir, 1, le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1, le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1, le roi d'Adullam, 1. Le roi de Makeda, 1, le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapuach, 1, le roi de Éfer, 1. Le roi d'Afek, 1, le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1, le roi de Assor, 1. Le roi de Simron, Méron, 1. Le roi d'Achaf, 1. Le roi de Tanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Jokneam au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Kojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tissa, 1. Total des rois, 31. Total des rois, total des villes, total des nations que Josué a conquises, ça fait 31 au total. Alléluia. Ce que le Seigneur l'a dit de dévouer par interdit et de détruire et de tuer sans pitié, c'était au nombre initialement de 34. Mais Josué a tué 31 et il a laissé 3. Ce que tu ne détruis pas, te détruira après. Ce que tu n'as pas détruit aujourd'hui, demain va te détruire. 2 Pierre 2,19. Projeté, nous tous ce soir dans la salle, nous sommes esclaves de ce qui a dominé de nous. Nous sommes esclaves de ce qui a pris possession de nous. Nous sommes esclaves de tous ces vices où on ne peut pas surmonter. Lisez la parole de Dieu. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est vrai que Dieu Christ nous a promis la délivrance, la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous savez, tu ne peux pas être esclave de la corruption et puis proclamer la liberté. Et il dit que nous tous, nous allons être esclaves. Peut-être tu es assis, tu es esclave quoi? De la négligence, tu négliges les gens. Ça, tu es esclave de la négligence.
Peut-être toi tu es esclave de la colère. Peut-être toi tu es esclave de la jalousie, esclave de la haine. Tu es esclave de ce qui domine de toi, les vices. Il y en a qui sont esclaves de quoi? De la télévision. Ils sont esclaves de Facebook. Ils sont esclaves de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux. Chacun est esclave. D'autres même, ils sont esclaves de nourriture. S'ils voient nourriture, ils perdent carrément les cinq sens. Chacun est esclave. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui a pris en prise? Qu'est-ce qui a pu assujettir ton christianisme? Et cela empêche ton christianisme de se manifester comme il se doit. Tu es esclave peut-être du travail, du dollar. Tu es esclave de beaucoup de choses, chacun de nous. Voilà pourquoi Dieu dit clairement, sans embâge, et il donne des directives à Josué. Josué, toutes ces nations que tu vois au-devant de toi, il ne faut pas être plus compassionné que moi. Il faut détruire, il faut tuer. Par moments, frère, ce qui est en toi là, le ver de terre qui est dans le fruit là, si vous ne détruisez pas ça dans le fruit, dès le départ, c'est ça qui va détruire le fruit. Alléluia. Dès le départ, si tu réalises qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ta famille, il y a quelque chose dans l'église, et petit à petit, si vous ne la traitez pas, si vous ne la confrontez pas, vous n'allez pas pouvoir la conquérir. Tu ne peux pas conquérir ce que tu ne confrontes pas. Tu ne peux pas posséder, peut être un conquérant vainqueur, si tu n'affrontes pas, ne tourne pas autour du pot. Ne tourne pas autour de la chose qui te fatigue. Il faut être clair avec toi-même. Affronte le ver de terre qui te fatigue. Affronte ce qui domine sur toi. Et tu es sous emprise. Tu ne peux pas t'en sortir. D'autres sont sous l'emprise de la masturbation. D'autres sont sous l'emprise de la fornication. D'autres sont sous l'emprise de l'adultère. D'autres sont sous l'emprise de toutes ces formes de sale vie. Et il se bat, il lutte, il bat, il lutte. Il dit, cette fois-ci, j'arrête. Cette fois-ci, je ne vais plus faire. Mais le temps de se rendre compte, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, il est tombé encore. Si tu ne détruis pas cette chose te détruira. Si tu ne tues pas cette chose qui te fatigue te détruira, te tuera. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es addict de quoi? C'est quoi qui t'assujettit? C'est quoi qui domine sur toi? C'est quoi qui fait que tu ne peux pas t'épanouir? Josué, détruisez. Josué, tuez. Josué, c'est dévoué par interdit par l'Éternel. Si vous ne tuez pas ça, moi-même l'Éternel, je ne serai plus au milieu de vous. Moi-même l'Éternel, je ne serai plus ton allié. Je ne vais pas combattre de ton côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyons encore ce que Josué a fait. Josué 11. Nous allons lire. C'est le verset 22 qui m'intéresse. Et mais nous allons lire à partir du verset 21 pour comprendre le verset 22. Mais c'est mieux que vous lisez tout le verset, le chapitre 11 pour pouvoir comprendre. Alléluia. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débit, d'Anab, de toute la montagne de Shida et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Relisez le verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gaza, Gaza. Gaza, à Gath et à Asdod. Je suis en train d'aller à quelque part. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à quelque part à la lumière de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ne vous amusez pas avec la Bible. Ne vous amusez pas avec les saintes écritures. C'est le livre le plus saint, inspiré. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Les cieux, la terre vont passer, mais cette Bible, cette parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, les 3 derniers versets du dernier chapitre d'Apocalypse, il dit que
Celui qui va ajouter ou retrancher, hey, quelque chose va t'arriver. N'ajoute rien, ne retranche rien. N'ajoute rien, ne retranche rien. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir, il y a trois villes que Josué n'a pas détruites. Il y a trois villes que Josué a refusées. Je ne sais pas ce qu'il a appris, mais Josué avait la capacité de tuer, de détruire, de tout anéantir, de dévouer par interdit selon l'ordre de l'Éternel donné par Moïse. Josué chapitre 1er, 1, premier verset 3, il dit, « 1, tout lieu que la plante de ton pied, Josué, va fouler là, je te donne possession. Je te donne de prendre contrôle. Je te donne d'assujettir. Josué, tu as la force. L'Éternel est avec toi. Josué, prends bon courage. Ne crains point. Il faut que le livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche. Rumine-la. Josué, je suis avec toi. » Josué avait cette assurance. Et oui, effectivement, nous sommes des Josué. Le Saint-Esprit est avec nous. La parole est avec nous. Christ est avec nous. Et nous marchons avec Christ. Nous sommes en direction à notre destinée, à notre Cana, avec Christ au milieu de nous. Et c'est lui qui nous accompagne. Il nous dit, dévoué par interdit, tout ce qui va s'infiltrer au milieu de vous, dans ta famille, dans ta propre vie, faut détruire cela au nom de Jésus. Et je détruis au nom de Jésus-Christ tout ce qui est en toi, qui va te détruire après, je le détruis ce soir au nom de Jésus. Je l'anéantis ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui est vice en toi, dont tu es addict et ça te fatigue, cela est dévoué par interdit. Cela est abominable et impraticable, mais tu vis à l'intérieur. Au nom de Jésus, je déclare sa mort. Je déclare sa destruction. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Cela n'aura plus raison sur toi. Au nom précieux de Jésus, il m'a dit, tue-le, sinon il te tuera. Peuple de Dieu, tuez, sinon ça vous tuera. Peuple de Dieu, oh, ce soir, ce que toi-même tu sais, que ça te fatigue, ça t'assujettit et tu es addict, repère-le, affronte-le au nom de Jésus. Même si tu ne peux pas, par ta force tu ne peux pas, oui, mais par le Saint-Esprit, Zacharie nous a dit, ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par tes connaissances, ça ne sera pas par tout ce que tu as comme relation, mais ça sera par l'Esprit Saint. Avec l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir dominer ce qui te dominait. Tu vas pouvoir renverser la tendance. Tuer et détruire. Si vous ne tuez pas ce ver de terre qui est en vous, ça va vous détruire, vous qui êtes le fruit succulent. Peuple de Dieu, ne négligez pas votre vie. Ne négligez pas la parole de Dieu. Il faut que vous obéissiez à la parole. Frère, c'est quoi qui te fatigue? Tu es addict de quoi? De lundi à dimanche, tu es dépendant de quoi? C'est quoi qui te fatigue? D'autres sont mariés. Même malgré mariés, ils vivent dans la masturbation. Pendant que la femme dort, pendant que le mari dort, se cache pour se masturber. Frère, détruis cet esprit de masturbation. Détruis cet esprit de masturbation. C'est un esprit de souillure. Détruis-le. Sinon, il va détruire ton foyer. Il va détruire ta maison. Il va détruire tes enfants. Tu es cet esprit de masturbation. Tu es cet esprit de masturbation. Esprit Saint, il est là en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est l'esprit qui vit en toi. Tu es cette haine. La haine du prochain. Tu es ce fruit de la haine. Sinon, tu vas te détruire. Tu es cet esprit de la jalousie. Tu es cet esprit de la colère. Et je le détruis ce soir. Je le commande au nom de Jésus. Ce fruit qui est impur en toi, sors de mon frère. Sors de ma soeur. Sors de sa famille. Sors au nom de Jésus. Tu ne peux demeurer là où le Saint-Esprit réside. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun autre esprit ne peut résider, ne peut demeurer. Au nom de Jésus, esprit impur, je vous ordonne maintenant, partez maintenant, je vous chasse maintenant, partez maintenant, au nom précieux de Jésus. Tuez-le, sinon il vous tuera. Détruisez-le, sinon il va vous détruire, peuple de Dieu. Tu es addict de quoi? C'est quoi qui te fatigue? Seule, ta femme n'est pas au courant. Ton mari n'est pas au courant. Ton pasteur n'est pas au courant. Tes meilleurs amis ne sont pas au courant.
Mais toi seul, tu es au courant. Dieu aussi est au courant. Il vient à ton aide ce soir. Il n'a pas fait sortir cette parole pour rien. Il te dit, il faut tuer. Sinon, ce que tu ne veux pas tuer là, un jour, va répondir, va réjaillir. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Peuple de Dieu, détruisez ce que l'Éternel a dévoué par interdit. Sinon, le temps viendra, même après toi, ta femme, tes enfants, cette chose va détruire tes enfants. Et si tu ne la tues pas, cette chose va détruire les enfants de tes enfants. Si tu ne les détruis pas, cette chose va attaquer plus tard. Même si c'est un siècle après, détruisez ces esprits impurs dans vos vies. Ces esprits de contrôle, de manipulation, de sorcellerie, de magie, détruisez cela de vos vies. Épargnez-vous, sortez, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez ces formes de pratiques mystiques, abandonnez ces formes de pratiques de couvent satanique. Sinon, tu mourras. La mission de la parole de Dieu, Exode 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, la sorcière, sorcière magicienne. Je te préviens, abandonne la sorcellerie, abandonne la magie, abandonne le mysticisme, abandonne les œuvres mystiques, les fétiches. Sinon, tu mourras. Cela va te détruire tôt ou tard. Christ seul a la vie éternelle, la vie divine, la vie Zoé. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous la donne. Peuple de Dieu, sortez de ces pratiques de vie, sinon tu mourras. Qui peut combattre contre l'Éternel? Qui peut oser résister contre la parole de Dieu? Qui peut oser endurcir le cœur? Celui qui mérite d'être repris, Proverbe 49, premier, mais qui refuse, qui raidit la nuque, la parole de Dieu nous dit, tu seras brisé, brisé subitement sans remède, sans solution. Peuple de Dieu, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez ces pratiques impures, mystiques, qui n'est pas la gloire de Dieu. Christ te voit, Dieu te voit et il t'aime, ce soir il t'interpelle. Si tu ne quittes pas, tu vas finir comme Pharaon, car tu as l'image de Pharaon, tu as assujetti le peuple de Dieu, tu les as mis sous le joug, tu les as mis en servitude, en esclavage. Ils crient, ils souffrent, ils pleurent, ils appellent de l'aide, mais toi Pharaon, tu refuses de les lâcher. Ton jour vient, Pharaon, l'esprit de mort va passer, l'esprit destructeur va passer. Pharaon, tu seras frappé, tu seras détruit sans remède. Pharaon, ta mission, c'est de périr dans la mer rouge. Pharaon, tu es méchant. Pharaon, tu es un sorcier. Pharaon, tu es mystique. Et si tu ne quittes pas ces pratiques, Pharaon, tu mourras certainement. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pharaon qui est dans l'église ce soir, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de mort passe, l'esprit destructeur passe, et il va passer dans la maison de Pharaon. Le premier cri va sortir de la maison de Pharaon. Cri de destruction, cri de meurtre, de mort, cri de perte soudaine. Pharaon, libère le peuple de Dieu. Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Cache. Doka isa imaraya takash. Leitimbaluasa itambaraya shkarida. Peuple de Dieu. Josué a refusé. Il a épargné Gaza. Ensuite, il a épargné Gath. Ensuite, il a épargné Ashdod. Le Seigneur m'envoie ce soir pour détruire. Il m'envoie ce soir pour détruire en esprit ce qui est en train de vouloir détruire l'église. Ce qui est en train de vouloir détruire l'église, détruire les fidèles, retenir les fidèles en captivité, la dépendance ou l'addiction, toutes ces formes, l'Esprit de Dieu m'a oint et il m'a envoyé de détruire ces choses au nom de Jésus-Christ. Crois ce soir que tout ce qui est impur en toi, accepte, reconnais, confesse, pardon vient et purification arrive. Si tu reconnais toutes ces formes de vie que tu as, tu les confesses, Christ te pardonnera.
Quelle que soit la couleur de tes péchés, Ésaïe 18, tu confesses. La parole de Dieu nous dit que son sang te purifie et il te lave. Ne vous cachez pas et présentez une façade. Alors que derrière la scène, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Derrière la scène, c'est un pharaon. Derrière la scène, peuple de Dieu. Derrière la scène, tu te masturbes. Derrière la scène, tu forniques. Derrière la scène, tu fais la masturbation, tu fais l'adultère. Derrière la scène, tu es un voleur. Derrière la scène, tu es un haineux, tu es un jaloux. Derrière la scène, mais de façade, alléluia, l'Esprit de Dieu te démasque ce soir. Et à travers la parole, ton masque tombe. À travers la parole, toi qui es un loup déguisé en agneau dans la bergerie, à partir de ce soir, ce message, tu es paralysé et tu es démasqué, déshabillé et mis à nu. La honte soudaine te frappera. La honte soudaine va te rencontrer. De ces pratiques, quitte ces pratiques qui ne sont pas la gloire de l'Éternel. Nous allons voir dans Juges. Vous avez retenu ces trois villes, Gaza, Gath et Asdod. Ce que Josué n'a pas détruit. Qu'est-ce que c'est devenu plus tard? Ce que tu ne détruis pas ce soir, frère, ça va te détruire demain. Juge 16, premier. Lisez jusqu'au verset 4. Samson parti pour Gaza. Samson parti pour Gaza. Hello, vous êtes là? Oui. Samson parti pour où? Gaza. Gaza, c'est où? Ce que Josué n'avait pas détruit. Samson parti pour Gaza. Continuez la lecture. Il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Alléluia. Amen. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Sorek, Gaza, c'est la même bande. Gloire à Dieu, veuillez vous amener. Merci pour la lecture. Ce que Josué n'a pas détruit, le 3 octobre passé, quelque chose s'est passé entre Israël et Palestine. Ce que vous ne détruisez pas, ce n'est qu'une question de temps. La bande de Gaza, c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez très bien Ézéchiel 38, vous allez voir, c'est clairement édicté à l'intérieur. Gog et Démagog. Tout ce qui se passe actuellement entre Palestine et Israël, Josué est pour responsable. Frère, ce qui va se passer dans la vie de tes enfants, d'ici 50, 100 ans, tu t'appelles Josué ce soir, tu seras tenu pour responsable. Tu, sinon, vas tuer après. Dit que la parole de Dieu nous dit que Delila est sortie de Gaza. Cette dame prostituée est sortie de Gaza pour attaquer qui? Israël. De la descendance de Josué, de Moïse, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu choisi et béni. Et il les a donné la capacité et ils ont donné la mission à Josué. Faut détruire et dévouer par interdit. Ne sois pas compassionné. Josué, pourquoi tu as laissé Gaza? Gaza a produit aujourd'hui la bande de Gaza. Gaza a produit aujourd'hui des hommes et des femmes qui se redressent contre le peuple d'Israël. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de cajoler? Qu'est-ce que tu es en train de couver? Quand tu prends un petit serpent, joli soit-il,
et tu es en train de l'entretenir dans ta maison, c'est ce serpent qui te piquera. Si tu prends un scorpion, joli soit-il, et tu le prends, tu mets dans ta maison, tu cajoles. Tu cajoles et tu ne veux pas détruire le serpent. Tu ne veux pas détruire ce scorpion. Frère, un jour viendra, le serpent, sa nature, c'est de mordre. Le scorpion, sa nature, c'est de piquer et d'injecter son venin. Tue-le, sinon il te détruira. Tue-le, sinon il te tuera quand il sera temps. Delila est sortie. C'est Delila qui a cassé le peuple d'Israël en assujettissant Samson. Aussi ta force, aussi ta capacité ou ton onction, ce que tu n'as pas détruit pendant qu'il est temps, te détruira quand il sera temps. Peuple de Dieu, veillez sur vos vies. Les jeunes filles, veillez sur vos vies. Les jeunes frères, veillez sur vos vies. Veillez sur vos vies. Alléluia. Voyons encore, après Gaza, c'est Gath. Allons-y dans 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons voir encore ce qui est sorti de Gath. Lisez à partir du verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alors, vous connaissez, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que ce que Josué n'a pas détruit, il n'a pas détruit Gath. Voici que Goliath est sorti de Gath pour terroriser le peuple d'Israël. 40 jours, 40 nuits sur la montagne, deux montagnes face à face, Goliath sort et il insulte. Il parle mal. Il insulte le Dieu d'Israël. Saül et toute son armée étaient impuissants. Peuple de Dieu, si vous ne détruisez pas votre Gaza, Delila en sortira et va détruire, attaquer ta descendance après. Comment s'appelle-toi ton Gaza que tu dois détruire aujourd'hui, cette nuit? Comment s'appelle-toi ton Gath que tu dois détruire cette nuit? Si tu ne détruis pas ton Gaza ni ton Gath, Goliath en sortira, Delila en sortira, Delila fera tomber ton enfant ou ta fille un jour si tu ne détruis pas. Goliath en sortira un jour si tu ne détruis pas Gath. Quel est le Gath de ta vie, peuple de Dieu? 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. Ce qui doit être détruit en nous doit être sans compassion. Lisez à partir du verset 1er, arrêtez-vous au verset 5. Écoutez attentivement la lecture. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la transportaient de Ben-Ezer à Asdoth. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sol, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le sol. Le peuple d'Asdod, les Asdodiens se sont révoltés. Quand le temps est venu, ils ont oppressé Israël à tel point qu'ils ont même saisi l'arche de l'Éternel d'Ebénézer. Ils l'ont amené mettre dans la maison de leur Dieu du nom de Dagon. Frère, penses-tu que si tu ne détruis pas les Asdodiens, si tu ne détruis pas Asdod, frère, l'idolâtrie va passer dans ta vie. La sorcellerie va venir dans ta vie. Le mysticisme va venir dans ta vie.
tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ce qui concerne les œuvres mystiques, sataniques, c'est du rôle et du ressort des Astodiens, du dieu Dagon. Et c'est là qu'ils ont pris l'arche de l'Éternel et allé y déposer. Nous allons nous tenir debout. La différence c'est quoi? Toi et moi, nous ne pouvons pas demeurer dans la même maison. Le Saint-Esprit est en moi. L'idole qui est en toi, fétiche qui est en toi, les amulettes qui est en toi, la sorcellerie qui est en toi, nous ne pouvons pas demeurer dans cette même église. Il faut qu'un meure. Si ce n'est pas toi, ça va être moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je prêcherai la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier et nous allons commander au nom de Jésus tout ce qui est présence contraire à la parole de Dieu dans cette église, au nom de Jésus-Christ, comme Dagon est tombé, qu'il tombe. Tout ce qui est dans ta vie et qui n'est pas la gloire de Dieu doit tomber. Tout ce qui est dans ta vie qui ne glorifie pas l'Éternel doit tomber. Au nom de Jésus, repère ce qui te fatigue. Repère ton Gath, repère ton Ashdod, repère ton Gaza. Détruisez maintenant. Allez-y dans la prière. Priez. Chacun connaît sa faiblesse. Chacun connaît ses limites. Chacun connaît son ennemi. Chacun connaît son adversaire. Attaquer, conquérir. Toi, ce qui te fatigue, c'est quoi? Il faut conquérir. Il faut attaquer. Saint-Esprit, descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Feu de l'Esprit, descends maintenant. Nom de Jésus, descends maintenant. Réagis. 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 Les Astodiens ont pris l'âge de l'Éternel. Mettre dans la même maison que Dagon. Père, je refuse que moi, ton enfant, Père, que tu vives en moi et que je demeure dans la même maison que Dagon. Que Dagon tombe, que Dagon tombe, que Dagon tombe. Au nom de Jésus, ce qui est en moi, à l'image de Dagon tombe. Père, mes vices tombent, mes passions charnelles tombent. Au nom de Jésus, mes envies charnelles tombent. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, délie-moi de mon Dagon. Délie-moi, car je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Priez, Kamash. Tomaras Perias Kawan. Commandez vos Dagons de sortir de vos vies. Commandez vos Dagons de tomber. Père, détruis maintenant les Dagons de chaque membre de l'Église. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Saint-Esprit, tu es vivant. Saint-Esprit, tu as la parole de vie. Et quand tu viens, Seigneur, tout change. Change, change, change. Purifie l'église par ton feu, par ton feu. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Saint-Esprit, enlève le gâte qui est en moi. Enlève maintenant tout ce qui est gazé dans ma vie. Pour que mes enfants ne soient pas attaqués plus tard. Je détruis. Je néantis, je détruis Tepaïda, Perias Pawataïda, Tokaïda Saïmatumba, Tomantulu Kamataya Saïda, Tokimbalu Paraya Saïtumbawa, Letikaïta Lawasa Ipauda, Tekaïda, Loma Pawasaï, Tekimbarawas Pawaraï, Parabash, Parabash. Pharaon, soit détruit. Pharaon, méchant Pharaon, la magicienne, Paria Saban, esprit de sorcellerie, Kombara Saïta, je te détruis cette nuit, je t'anéantis cette nuit, je te maudis cette nuit, je te frappe de confusion, je te frappe d'étourdissement, je te paralyse. Élisée a frappé d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus. Ce qui est de la sorcellerie. Ce qui est de la méchanceté. Ce qui est de la magie. Tout ce qui est envoûtement. Pas Kimbatupa. Teraba Atiuda Kimbalu Tamatawasa. Le Kandula Paisperia. Loria Karabanda. Le Parayaskoria Shibatawa. Le loup déguisé en agneau. Je te démasque ce soir et je te paralyse. Le tout déguisé en agneau dans l'église, dans la
famille. Père Paras, Père Yassai, que le tonnerre de Dieu tombe, la foudre divine tombe, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. J'invoque le feu. Faites sortir tous ceux qui sont à l'intérieur. Faites sortir tous ceux qui sont à l'intérieur. Faites-les sortir ici. Que nul ne demeure là-bas. Dans les toilettes, faites sortir tout le monde ici. Personne ne rentre là-bas. Kaïda Bash. Parias Kaïda. Fermez la porte. Les Kandaraba Shindaraba. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce qui est dans cette église, qui n'est pas la gloire de ton nom. Tu m'as dit de tuer. M'as dit de détruire. Au nom de Jésus, je déroute l'ange destructeur. Je déroute l'esprit de mort. Je déroute l'esprit de destruction. Dans la maison du méchant. Dans la maison de l'ennemi de l'église. Tu m'as dit de ne pas laisser vivre la sorcière, la magicienne. Je la détruis ce soir. Je la détruis ce soir. Je l'anéantis ce soir. Payas, payas, kokambarabasa, esprit de masturbation, je te détruis ce soir. Esprit d'impuricité, je te détruis ce soir. Esprit de fornication, je te détruis ce soir. Tu n'as pas de pouvoir. Ce qui détruit l'église, détruit mon frère, je le détruis ce soir. Je l'anéantis ce soir. Priez, priez, chacun prie pour lui-même. Kos, parayas. Kobarabash peida. Laya samatumba labash pawa. L'Esprit Saint. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. L'ange de l'éternel. Agis maintenant. L'épée de l'ange de l'éternel. Frappe maintenant. Frappe maintenant. Esprit de Dieu. Repos par la foudre. Repos par le tonnerre. Comme tu as dérouté les Philistins à Mispa lors du sacrifice. Saint-Esprit, tu as donné un tonnerre. Donne maintenant. Donne maintenant. Donne maintenant. Je démasque le loup. Je démasque le loup. Pawa tamba. L'ekimpalu sambalitia. Lambata kiturabash pawarabash. Le karabala shenderaba. Tout embargo satanique. Saint-Esprit, je la détruis. Je la lève maintenant. Je lève les embargos sataniques. Je lève les embargos sataniques. Par le feu du Saint-Esprit. Sur la vie de nos enfants. Sur la vie de nos femmes. Sur la vie de nos maris. Priez pour vous-même. Détruisez ce qui est en vous. Sinon, il vous détruira plus tard. Détruisez votre gâte. Détruisez votre gâte. Au nom de Jésus. Paraban. Pawaskai. Lamatumbarayas Pewa. Le Karabashtis. Maïtaman. Maïtaman. Kaïda Kumbala Saïda. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. Descends, descends, descends. Esprit familial. Python. Sirène de Zoo. Esprit impur. Satanique. Je vous reprime. Je vous reprime. Je vous détruis. Les armes forgées par l'ennemi, je les anéantis maintenant. Dès la forgerie, je détruis l'arme. Je détruis l'arme. Je détruis l'arme de la forgerie. Parabas, 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 pakataïsaba, le pataïrabas, kombarabayas paraba, le mari tikimbawa, ferez le top. Descends, 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 purifie l'église. Enlève qui carabache, déracine l'arbre du mal. Je déracine l'arbre du mal. Père, Matthieu 15, 13, toute plante que l'ennemi a plantée, qui n'a pas été plantée par le Père Céleste, tu me dis de déraciner. Je déracine l'arbre du mal, l'arbre de la méchanceté, le sceptre de la méchanceté. Je la détruis et je commande retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Pars. L'orayata malakaïda. Tout ce qui est enfoutement, je détruis. L'esprit d'enfoutement, je détruis. L'esprit d'ensorcellement, je détruis. L'esprit d'empoisonnement, au nom de Jésus. En cette fin d'année, l'esprit de réclamation, esprit de mort prématuré, au nom de Jésus, je te bannis de l'église. Je te bannis de l'église. Pi maraban. Torabash parayas.
Sinda, Koma, les Parabandis, Lumanana Yasayata Papa, Peta Kataria Sombata, Pebawash, Perabasha, Komria Spiri Kaida, Marayas Kondidaban. Prions pour les enfants. Prions pour les enfants. Priez pour les enfants. Parabash Peteria Saïdima. Saint-Esprit, priez pour les enfants. Toute personne, tout esprit impur qui veut toucher la vie de nos enfants, nous le paralysons maintenant. Nous le détruisons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme qui est forgée contre la vie de nos enfants, au nom de Jésus, je détruis cette arme. Par l'autorité divine, je détruis cette arme. Au nom de Jésus, l'arme de la méchanceté, d'initiation, au nom de Jésus-Christ, aucun des enfants ne sera initié, aucun des enfants ne sera consacré à la mer, aux eaux, au nom de Jésus, aucun enfant ne sera amené à des sacrifices. Piyabanda, Perabano Kaira Rabat, Mataris Kondiliwa Taban, Labane Kota Taban Tibi Tukumbaya Saïda. Saint-Esprit, j'abandonne les enfants de tes mains dans leur sommeil, qu'aucun ne puisse être touché. Péas. Kerabashandara Yasai. Matumbala Parayaste. Rabatarias Pawan. Matali Kumbata Pawas Paida. Rebayas Kawababan. Marias Ko Bandalawasa Ita. Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Jean chapitre 6. Et quiconque mangera de mon corps n'aura plus faim. Quiconque boira de ce sang n'aura plus soif. Je vais prier, nous allons prier. Tu vas prier. Seul le pain de vie doit être mangé. Seul l'eau de vie doit être bue. Tous ceux dans leur sommeil qui mangent, tous ceux dans leur sommeil qui boivent, tous ceux dans leur sommeil qui participent à des cérémonies. Te kabawash pawa. Taraiki. Nokotawa parayaspinda. Tous ceux dans leur sommeil qui participent à ces cérémoniales avec des inconnus. Tous ceux dans leur sommeil qui sont nourris par du poisson frais, nourris par de la nourriture, nourris par de la viande. Payataki tumbawataraka. Dokombalayasterabawasha. La seule nourriture que le Seigneur m'a donnée. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Cette nourriture soit ta portion. À partir de ce soir, je me fais à ces formes de cérémonie dans ta vie. Je te délivre de ces formes d'assujettissement. Je te délivre au nom de Jésus. Priez pour vous-même. Tomara Ketayastaima. Namalo Kayabatali Tumara Yashaida. Tu es conduit dans ton sommeil à des cérémonies. Tu te vois en train de tourner. Komarabaya Shaida. Un esprit de contrôle te fatigue. Un esprit d'assujettissement te fatigue. Un esprit de manipulation. Je te délie de cet esprit de manipulation. Par l'autorité du nom de Jésus, je prie cela. Je détruis cela. J'anéantis cela. Je t'anéantis, esprit impur, des couvents sataniques, des lots sataniques. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus, les œuvres de l'ennemi sont anéanties. J'invoque maintenant l'Esprit Saint. Descends maintenant pour ton peuple. Délivre-nous
du mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de toutes ces emprises. Délivre l'Église de tous ces envoûtements. Délivre l'Église. Jésus. 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 Kama. Madaya Takarabashi. Natakumbawata Payasa. Lombaroya Skoria Saiti Kitawar. Marabalo Sokombara. Natikarabasheida. Marabawati Paraya Seita. Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ces formes d'envoûtement sur la vie des fidèles, sur la vie de ton peuple. Seigneur, c'est un prix cher que tu les as rachetés. C'est au prix fort de ton sang. L'envoûtement, tout ce qui est divination, ne peut pas contre ton peuple, ne peut pas contre Israël, ne peut pas contre l'Église. Je détruis l'esprit d'envoûtement. Je détruis l'esprit de divination. Je détruis cet esprit de monitoring, cet esprit de contrôle, cet œil qui te moniteur. Je détruis cet œil. Je frappe d'aveuglement cet œil. Je l'appelle cet œil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délié. Sois libre. Sois relâché lisse. Sois relâché libre. Sois brisé ces chaînes. Ces chaînes de la captivité. Je les brise. Je brise les chaînes de la captivité. De ta vie, je brise les chaînes de l'imitation. De ta vie, toutes ces chaînes qui t'empêchent d'avancer, je les brise, je les brise. Nom de Jésus-Christ, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Christ nous a franchis, soyez réellement libres. Soyez réellement libres. Soyez réellement libres. Roma, Rwakayasaya Tambarawa. Mati Karayashaïna. Jésus, nos vies sont cachées en toi. Ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Je cache ta vie dans le creux du rocher. Je cache ta vie et je réclame ton âme devant l'Éternel. Je réclame ton âme devant ces formes de pratiques mystiques. Et je réclame ton âme devant l'Éternel. Je t'appelle devant le trône de l'Éternel. Viens, sors d'où tu es. Sors de la captivité. Sors de ce puits. Sors de ce trou. Sors de cette limitation. Sois relâché libre. Sors, 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 sors. Sors d'où tu es. L'ennemi t'a lié. Sors, sois délivré. Sois relâché libre par la puissance du Saint-Esprit. Je relâche cette onction de délivrance, cette autorité de délivrance, cette forme de délivrance. Seigneur, tu m'as envoyé délivrer les captifs. Captifs que tu sois libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur, esprit satanique, esprit démoniaque, tu n'es plus rien contre le peuple de Dieu. C'est fini pour toi ce soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, come on. Hey, 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 hey. Libère. Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche ma soeur. Lâche son mariage. Lâche son travail. Lâche ses papiers. Lâche son évolution. Lâche, 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 lâche. Lâche. Tu l'as assez fatigué. Libère-la. Libère-la. Je te maudis ce soir. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Je te commande. Je t'ordonne maintenant. Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. La puissance est dans le nom de Jésus. Et je viens contre toi par le nom de Jésus. Je m'oppose à toi par le nom de Jésus. Tu ne peux rien. Et les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je brise ces chaînes. Wata. Comment tu goûtes. Je commande ton esprit pur. Lâche,
Saraya Salida, je te détruis ce soir. Je te frappe d'aveuglement ce soir. Je te frappe d'infirmité ce soir. Esprit de folie, retourne à l'envoyeur. Esprit de sorcellerie, retourne d'où tu viens. Esprit méchant, retourne d'où tu viens. Loup déguisé en agneau, je te démasque, je te dénude, je te détruis, je te paralyse. Retourne d'où tu viens, retourne d'où tu viens, retourne d'où tu viens, retourne d'où tu viens, retourne d'où tu viens. Aïe! Katana lumba tumbawa, la tikimba lutawa spa, etekita wa sayakara. Pendant le feu à moi, je relâche le feu maintenant de la délivrance. Le feu brûlant et dévorant, relâche, relâche. Le fidèle soit délivré. Atambarabash, Reyatatambamashaïda, Rakitilikita Rabashamba, Reyatilikatumba Rawashamba, papa, papa. Le kitili kumanda wazahita rabashpa. Eatalan matakatitash. Praise. Praise caravan. Église, veillez sur vos filles. Veillez sur vos enfants. Jusqu'en mars-avril, restez hautement en alerte et veillez. À partir de cette nuit, jusqu'à mars-avril, que nul ne somnole et nul ne dort, restez aux aguets, soyez des sentinelles sur vos filles, dans vos maisons, soyez des sentinelles, soyez des hommes et des femmes prudents et sages. Karalan, Marabatu Kabash, Tetikitu Atamarayas Pawa, Lebarayam. L'ennemi rôde chaque fin d'année. L'ennemi rôde chaque début d'année. L'ennemi rôde l'esprit malin, esprit de destruction, esprit d'accident, esprit de noyade, esprit d'accident, que ce soit par fer, par terre, par air, par mer. L'ennemi rôde, mais toi veille. L'esprit de me dit, ne sois pas insensé, dépourvu de sens comme Galate. Galate 3, premier, oh, dépourvu de sens. Qui t'a fasciné? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Toi pour qui Christ est mort à la croix, ne sois pas dépourvu de sens. Toi pour qui Christ a été crucifié, ne sois pas dépourvu de sens. On ne crucifie pas Christ 2-3 fois. Christ est mort une fois pour tout. Toi aussi, veille. Sortez dans la distraction. Restez aux aguets. Car les temps sont durs. Car ces moments sont durs. Peuple de Dieu, soyez solide dans la parole de Dieu. Soyez ferme dans la parole de Dieu. N'ayez pas de mains fébriles. Ayez des mains spirituelles fermes. Fort parées au combat. Prenez les armes offensives. Prenez les armes défensives. Attaquez ou soit aussi. Protégez-vous. Les armes offensives, attaquez avec. Les armes défensives, c'est pour vous défendre. Activez ces armes. Activez-les, peuple de Dieu. Reprends tes armes. David dit, oh l'Éternel, merci. Car tu exerces mes bras au combat. Tu aiguises mes mains au combat. Le combat spirituel. Peuple de Dieu. Trop de sommeil, l'ennemi te surprendra. Trop de sommeil, le voleur va rentrer dans ta maison. Trop de sommeil, le voleur va voler, va frapper, va tuer. Trop de sommeil, tu seras dépourvu de tes biens. Veille. Les maris, veillez sur vos familles. Soyez les sentinelles sur la vie de vos femmes et de vos enfants. Vous avez le couteau de la sacrificature. Ne laissez aucun voleur pénétrer votre maison. Veillez. Quittez le sommeil spirituel. Assez de jeux.
et d'amusement. Tue-le, sinon il te tuera. Ce que tu as en toi, ce n'est pas un allié, c'est un ennemi. Tue-le. Si tu ne le tues pas, il va te détruire. Même si toi, comme Josué, il n'a pas pu te détruire, il va attaquer ton Samson après. Ton enfant peut être ton Samson. Tu n'as pas pu faire, mais ton enfant pourra. Et quand ton enfant se lèvera pour le faire, il va croiser ce que son papa n'a pas pu tuer quand il pouvait tuer. Peuple de Dieu, nous allons prier. Contre toute forme d'arme qui est forgée en ce moment contre vos vies. Ésaïe 54. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 17. Les armes forgées contre toi ne prospéreront pas. Toute arme qui est forgée, la parole de Dieu dit, toute arme qui est forgée, ça veut dire dès la forge. Pendant que c'est chez le forgeron pour être forgé là, c'est à partir de ce moment même que c'est détruit, ça n'a pas d'effet. Ça ne va même pas quitter chez le forgeron. Ça ne va même pas faire 2-3 pas. Dès la préparation, dès le moment qu'on est en train de planifier l'arme, dès le moment qu'on est en train de cogiter, de réfléchir, de penser pour préparer l'arme pour venir t'attaquer, nous allons détruire ces armes dès la forgerie. Avec ta bouche, détruis ces armes de l'ennemi dès la forgerie. Priez au nom de Jésus. N'ayez pas la paresse. Priez pour vous-même. Priez pour vos maris, pour vos femmes. Priez pour vos enfants. Jésus, je détruis les armes de l'ennemi. Je détruis les armes de l'ennemi. Ce que l'ennemi a planifié, ce que l'ennemi a préparé, ce que l'ennemi a planifié, toute pierre que l'ennemi roule, au nom de Jésus, retombe maintenant sur lui. Retombe maintenant sur lui. Retombe maintenant sur lui. Nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Saint-Esprit. Rayataka Parabash. Tekambarabash Tire Yasakaban. Rayatombarawas Parabakanda. Lekirias Parabadikamba Washai. Karabalan. Reiki. Rakataumba Tukurabash. Tekimawa Parayas Kimaraba. Royan Pais Ekinarabalashima Raimarabakakaba. Jésus-Christ de Nazareth, détruisons les formes de l'eau satanique, les armes de multiples formes, les armes de destruction de l'ennemi préparées en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ces armes. Je détruis ces armes. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le sang de la nouvelle alliance. Que ces armes soient détruites. Alléluia. Ésaïe 49, 26. Projetez et lisez. Ésaïe 49, 26. Et dès qu'il finit la lecture de la parole, commencez à prier comme le verset biblique, vous l'aurez entendu. Projetez et lisez. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Commencez à prier. Alléluia. Priez. Tapez les mains. Priez. Tapez les mains. Priez. Commandez. Parlez. Comme le verset biblique a dit. Personne ne te détruira.
Priez, je ne vous entends pas. Priez, commandez que ton ennemi, que le méchant, lui-même, il mange sa propre chair. Il boit son propre sang. Priez. Marandalawa Tokumbalu Tukutawa Sahimba Tokotoma Layoateria Saiba Des que l'ennemi soit dans la honte maintenant. Se livre maintenant de son propre champ. Mange sa propre chair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ces fins d'année. Que l'ennemi soit dans la honte, l'ennemi soit dans la confusion, l'ennemi soit dans le panique et dans le tourment. Saint-Esprit, parle en la faveur de l'Église, parle en la faveur des fidèles, parle en la faveur de nos enfants. Chaque chrétien soit couvert maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, montre-nous ta face, que l'ennemi comprenne que tu es le Saint d'Israël. Que l'ennemi comprenne que tu es le Dieu d'Israël. Jésus, fais grâce à ton peuple en ces moments difficiles, à la gloire de ton Saint-Nom. Proverbe 26-27. Proverbe 26-27. Dès qu'il finit de lire, commence la prière. Le sujet de prière se trouve dans la parole de Dieu. Proverbe 26-27. Alléluia. Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. Rayamalu kawasa. Matarabawas pes. Reteteketa wasaban. Matarayato koba. Rayez pas la tombe que l'ennemi creuse, le trou que l'ennemi creuse. Je te pousse en esprit dans ce trou. Tombe, tombe dans ce trou, tombe dans ce trou, tombe dans ce trou, retombe dans ce trou. Cette fosse que tu creuses, ces pièges que tu tends, tu sois repris par ton propre piège. Sois repris par ton propre piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pierre tombale que tu roules, que cette pierre retombe sur toi, retombe sur toi, retombe maintenant sur l'ennemi, retombe sur le méchant. Saint-Esprit, le mal retourne dans la maison de celui qui l'initie. Le mal repart dans la maison du méchant. Le mal retourne dans la maison du sorcier. Le mal retourne dans la maison du méchant. Le mal retourne dans la maison du féticheur. Au nom de Jésus. La pierre que tu roules retombe sur toi. Je la proclame. Je la prophétise. Au nom de Jésus. Cette même force que tu creuses. Tombe. Tombe-y. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom. Saint-Esprit. Bénis l'Église. Et sauve-les. Sauve-les. Sauve-les du glaive de l'ennemi. Sauve-les de la main de l'ennemi. Que l'ennemi finit dans son propre trou. Que l'ennemi finit dans son propre piège. Il a tendu une embuscade. Que l'embuscade le prenne. Qu'il s'entre-déchire. Qu'il s'entre-détruit. Au nom glorieux de Jésus. Nombre 24, verset 9. Nombre 24, verset 9. Nombre 24, verset 9. Nous allons prier conformément à la parole de Dieu qui sera lue. Faites attention avec les accords que nous faisons. Les accords, faites attention. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Que nos autorités
dans l'Afrique de l'Ouest, fasse attention des accords qu'il lit. Je vous interpelle, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont la capacité, l'autorité, le pouvoir de décision, faites attention des accords que nous lions en ce moment. Dans 50 ans, dans 100 ans, ces accords peuvent se retourner contre nous. Soit vous les déliez bien à temps avant que la colère de l'Éternel ne commence à se manifester. Israël, laisse-le partir, c'est mon premier-né, ne le touche pas. C'est le premier-né de mes entrailles, ne touche pas Israël. Si tu touches Israël, je vais te toucher. Si tu t'en prends à mon peuple, la parole de Dieu, aucun verset ne va tomber à terre. Lisez la parole de Dieu. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Il le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La parole de Dieu dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Prié. Prié. Rayato Karam Namantukumbawa Aitarash Rokatalaya Spera Mawataraya Shaida Retembalake. Jésus, je lève mes mains vers toi en obéissant de ta parole. Je bénis ce pays d'Israël qui traverse des moments difficiles. Interviens, Père, pour le peuple d'Israël. C'est ton peuple choisi. C'est ton premier fils. Tu as frappé Pharaon. Tu as frappé Amalek. Tu as frappé Jéricho. Tu as frappé 31 rois à cause d'Israël, ton premier-né. Saint-Esprit, je bénis ce peuple d'Israël conforme à ta parole. Sauve-le de l'emprise de l'ennemi. Sauve-le contre toute attaque. Que les murailles de feu soient construites autour d'Israël. Et que ce peuple, Seigneur, que toi-même tu as béni, je l'ai béni en ton nom. Je proclame leur liberté et leur délivrance. Je proclame au nom de Jésus, qu'il soit la tête et non la queue. Je proclame la victoire dans le camp d'Israël. Je proclame, Seigneur, le salut pour Israël. Et je prie en ton nom en faveur d'Israël. Visite-les gracieusement. Au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment de message et de prière. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les guérisons et les délivrances. Merci pour l'exaucement. Merci pour le combat. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de t'avoir manifesté au milieu de nous. Merci de t'être laissé entendu et touché et reçu. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur.